I found love in you. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. C'est pas grave. Et il y en a deux, oui. Allez. Oui, Justine, qui salue, voilà ça. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous lire les articles du code civil qui régit le mariage. Tout d'abord, l'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L'article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 214, si la convention matrimoniale ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et l'article 371-1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Comme j'ai vu, vous en aviez deux, c'est ça, deux enfants. Ah, c'est une seule, d'accord. C'est tout à l'heure qu'on avait dit. Il appartient aux parents, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. On va passer à la suite, qui est délicate, parce que les gens qui sont ici sont venus pour entendre une seule chose. Oui. Donc quand je vais vous poser la question, vous allez parler bien fort, parce que s'ils n'entendent pas, ils vont vous faire recommencer. Je les connais, là, tous, là, ils sont là pour attendre que ça. Hein. Alors, donc, il faut
montrer, même si moi je n'ai pas de voix, vous, il faut que vous en ayez un petit peu. Donc, M. Martin Mabedi Chimanga, oui, sentez-vous à prendre pour époux Madame Justine Kisalu Kalassa, ici présente. Oui. Je n'ai pas entendu. Oui, vous avez dit oui. Voilà. Donc, Madame Justine Kisalu Kalassa, consentez-vous d'apprendre pour répondre Monsieur Martin Mabendi Chimanga, ici présent. Oui. Donc, au nom de la loi, je déclare Monsieur Martin Mabendi Chimanga et Madame Justine Kisalu Kalassa unis par le mariage. Dans nos traditions, je ne sais pas. D'embrasser la mariée. Est-ce que vous suivez la mariée ? On a bien vu, vous pouvez recommencer. On a vu la photo. C'est dur quand on se marie, il faudra croire. Hein. Après tout le monde. Devant tout le monde, tout ça, hein, c'est dur. C'est pas grave. On va passer à la signature. Vous allez vous asseoir pour signer. Aujourd'hui on y est, j'arrive pas à le croire, qu'un beau jour aussi parfait, je ferai de toi ma femme, la seule, l'unique, la meilleure, en vrai la perle rare, celle qui a conquis mon cœur, oui tu es vraiment rare. Mokolo ya lelo, naina toni na esengo. Histoire yanga na yo, réjouissance. Polingo yanga na yo, ebanda ki lokola lisano. Tala lelo fandi na motema e. Nanya koka kyo kanisa yo kozala yanga. Nanya koka kyo ye bango so ginza mbete. Zoka yo ndo zala ki moka moka zilanga. Oyo nza malongo la kitango na lala ki pongi inga ye. Kana zili le libala ye nzambe. Si ki pongi une femme trouve le bonheur. Voilà pourquoi je chante en ton honneur. Si jamais c'était à refaire, mon choix se porterait toujours vers toi. De commande né à Kinshasa le 25 décembre 1986, domicilié 11 rue de la Terouane à Comblaville d'une part, et de Justine Kisalu
Kalasa, sans emploi, né à Kinshasa, né le 3 janvier 1993, domicilié 11 rue de la Terroine à Comblaville, Seine-et-Marne d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'ils n'ont pas fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils étaient unis par le mariage. En présence de Théodore Mukange et Titi Paka Manu Etibika et de Chico Mibla Kilango et de Prudence Madjibey, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire, les époux et les témoins ont signé avec nous Jean-Michel Guilbeau, adjoint au maire de Comblaville, officier de l'état civil. Merci. Pour le photographe. Ah, vous ne trompez pas, hein, vous n'êtes pas votre alliance. Madame, je sais qui ça. Allez-y. Aujourd'hui, je ne t'oublierai jamais. C'est comment, non? C'est comment? Mon cœur. Aujourd'hui, avec ma famille et ta famille et nos amis, je suis tellement reconnaissante de tout ce que tu m'as fait pour moi. Tu m'avais promis un jour, je serai la femme légitime. Pour que le mette dessus. Donc ça, mais vous passerez un jour quand on vous dira le livret de famille est arrivé, vous viendrez le récupérer. Maintenant, on va voir si vous avez bien réussi. Le granit, c'est très dur, ça vit très longtemps. Voilà, donc tout ça, vous pourrez réviser. C'est marqué. Et vous verrez ici, c'est marqué en plusieurs langues. Hein, vous verrez. Alors, je ne sais pas, s'il y a votre langue, vous chercherez, vous regarderez. Hein. Voilà, donc, vous avez signé, j'ai signé, on vous le remet. C'est pour vous. Merci. En plus, voilà, pour que vous puissiez faire signer tous vos amis et tout, la commune va vous offrir un petit coffret avec de beaux stylos. Voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup. Merci. Comme ça, vous invitez, si vous faites un livre de mariage, vous ne pourrez pas dire non, on n'a pas de stylo pour écrire. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant, il me reste à vous féliciter, de passer une bonne journée, d'avoir plein d'années de bonheur. Merci. Hein, et puis, on va faire sortir tout le monde, et vous sortirez vous après en dernier. Donc, on va vous demander de sortir pour les accueillir à la sortie. Le maître des fondements de ces couples.
Tu l'as dit sur ta parole, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ma prière dans le Seigneur, que ce couple soit bâti sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière dans le Seigneur, que toi seul, que tu sois leur berger bouclier. Un bon berger prend soin de ses brebis. Un bon berger n'abandonne jamais ses brebis. Un bon berger nourrit ses brebis. Un bon berger cherche ses brebis. Toi qui es le bon berger, n'abandonne pas ces couples, mon Dieu. Que tu leur fasses grâce. Bénis-les spirituellement. S'ils ne te connaissent pas, qu'ils te connaissent aujourd'hui. Qu'ils croient à toi, l'homme de Galilée. Bénis-les physiquement. Tu as dit, je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé. Papa, que ta promesse puisse s'accomplir dans l'air. Que le ciel s'ouvre pour ces couples. Je sais, le mariage, c'est un lien, c'est un engagement. Ils ont prononcé des mots devant l'officier et devant nous, les témoins. Que cette parole soit gravée dans leur cœur et qu'ils les mettent en pratique. Tu as dit que le mariage soit honoré de tous. Nous sommes venus honorer ce couple, Seigneur. Et dans le Seigneur, que tu les bénisses encore. Que tu les bénisses encore, Seigneur. Que tu les bénisses encore, l'homme de Dieu. Que tu les bénisses encore. Combat avec ceux qui vont les combattre. Tu as dit, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Je sais que le diable n'aime pas que les gens se marient. Mais je m'oppose à tout plan de l'ennemi Satan contre ces couples. Je m'oppose, Seigneur, au lien familial. Je m'oppose aux cultures familiales. Et je t'élève, Jésus-Christ, étant que notre roi et notre berger. Seigneur, lève vie entre tes mains. Que tu les soutiennes. Que tu les accompagnes. Et que le bonheur, Seigneur, jour et tu les accompagnes. Je recommande cet après-midi entre tes mains. La soirée entre tes mains, Jésus. Parce que la paix et la joie sont notre partage. Quand tu nous avais dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix que le monde devait vous donner. Nous déclarons cette paix, Jésus. En toi, c'est la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Pour les siècles et les siècles, nous avons ainsi prié. Et nous nous disons Amen. 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 Beauté Image, le meilleur de Paris, le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image. Au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala et Zanaba Kolonengo. Beauté Image. Tobatelikimia.